Bon midi, bon lundi et bonne semaine à toutes et à tous. Merci à chaque fois de faire partie de cette émission. Je rappelle que l'invité du midi, c'est tous les jours à partir de midi sur la chaîne 22. L'histoire nous raconte que Christophe Colomb et son équipage auraient découvert l'île d'Haïti le 5 décembre 1492. En quête d'épices, ils croyaient débarquer en Inde étant donné que les premiers habitants de l'île étaient des Indiens. On connaît tous et toutes ce qui allait se passer ensuite. Les Espagnols allaient très vite procéder à l'extermination des Indiens en leur soumettant à un régime de travail forcé auquel ils n'étaient pas habitués. Peuplés pour la plupart par des Taïnos, on décrivait les Indiens comme étant un peuple paisible, non belliqueux, d'où leur nom Taïno qui signifie les bons hommes, qui aimaient la musique, la danse et qui travaillaient juste assez pour subvenir à leurs besoins. Étant donné que dimanche 5 décembre ramenait la soi-disant date de la découverte d'Haïti, l'invité du midi décide de revenir sur l'histoire des premiers habitants de l'île afin de déconstruire certains mythes et rétablir certaines vérités. Licencié en droit, détenteur d'un certificat d'aptitude à l'enseignement du français de l'Université Antilles-Guyane, maître en histoire et anthropologue, chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti, Emmanuel Stéphane Laurent, qui se fait aussi appeler l'homme, est un passionné de la connaissance historique et anthropologique. L'homme est donc notre invité pour ce midi. Nous lui disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, Samy. C'est un réel plaisir pour moi de revenir à cette émission, l'invité du midi, parce que la dernière fois, c'était Saint-Fort qui m'avait reçu. Ça fait très longtemps que j'ai perdu cet exercice d'être dans les médias, particulièrement à la radio et à la télévision. Donc, je suis très content et de siéger aujourd'hui et de venir parler d'un sujet extrêmement pointu. Donc, on va parler de la période indienne, n'est-ce pas, dans la composition, la constitution du peuple haïtien. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs, tous les téléspectatrices de la télévision Radio Caraïbes. Et je souhaite qu'on va avoir une très bonne émission. Déjà, on a un excellent animateur qui se passe de présentation et qui est un journaliste culturel, même si on a fait une intervention. Déjà, à côté, vous parlez de questions journalistes culturelles, ça. Et je vous remercie en paix. Merci, merci beaucoup. Alors, l'homme... Et l'important, je viens aujourd'hui, hein, alors que nous avons vu dans le pays qui a pratiquement ça, nous avons vu une crise de récit en Haïti. Donc, on a même l'impression par moment qu'on se raconte des histoires. Tellement qu'en réalité, notre passé et notre histoire de peuple a été trafiquée. Et on ne nous a pas dit toute la vérité. Et heureusement qu'il y a des professeurs comme toi, des hommes comme toi, qui font des recherches et qui reviennent sur certaines vérités, sur certains mythes, pour essayer de nous éclairer, les lanternes, afin de mieux nous orienter vers l'avenir. Alors, l'homme, 5 décembre, on parle de la découverte d'Haïti, ou de la soi-disant découverte d'Haïti. Bon... Il n'y a jamais eu de découverte, parce que, en fait, et au niveau de la Fondation Dr. Daniel Mathurin, on a eu à organiser avec le professeur Camille Louis un séminaire de formation en archéologie. L'île d'Haïti est peuplée, est habitée depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Et 3300 ans avant Jésus-Christ, vous avez eu ici la venue d'un groupe de peuples du Moyen-Orient qui s'appelle les Phéniciens. 2700 ans après Jésus-Christ, on a eu la venue ici des Carthaginois. Là, je me réfère au vicomte Donfroy de Thouan qui a écrit un livre qui s'appelle « Les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain, les vaisseaux d'Irée de Salomon en fleuve d'Amazon, Ophir Tashim Bavaim » qui a été publié chez l'édition Charles Peters en 1885. Après la venue des Phéniciens, des Carthaginois, et aux environs de 1440, bien avant les Taïnos, les Caraïbes, je crois depuis l'an 1000 avant Jésus-Christ, on a la présence des Siboney.
En 1440, on a l'avenue des Caraïbes. En 1490, on a l'avenue des Taïnos. Donc, ce qu'il faut dire, et là je reprends une phrase du professeur Sek Mirekovi Gomez, c'est que quand les Christophe Colomb et les Européens sont venus ici, parce qu'il faut bien dire Christophe Colomb et les Européens, parce qu'il n'y avait pas seulement les Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Portugais, il y avait même des Juifs qui étaient échappés de l'Espagne, de l'Europe pour hérésie et qui concernaient l'équipage. Donc, quand Christophe Colomb et les Européens sont venus en Haïti, les découvreurs. Parce que quand même, quand Christophe Colomb allait entreprendre ce voyage, c'était un voyage risqué. Oui. Personne ne voulait le croire. Personne ne voulait le croire. C'est pas d'avoir qu'à jeune d'Espagnol nettement. Oui, mais bon, bagage qui est encore plus intéressant. Faut que c'est deux mondes qui ont le goût du risque qui t'est accompagné. Oui, mais pas ça seulement. Faut qu'on ait tout que... puiser mon équipage de différents côtés. Et pas bien que ça. C'est que, pas oublier à l'époque, où il y a... ou bien Ferdinand V de Castille pour gagner Isabelle la catholique. Parce que quand on est question de État en Europe, les constitués très tard, à l'époque de... Ça, on va régler la Renaissance. C'est que il y a l'emprison, il y a demandé tout le monde qui était connu, il y a gagné pour pagne, pour couper tête, qui est condamné à perpétuité ou à travaux forcés, il y a deux choix. Ça a monté et... trois cas avec Christophe Colomb, donc la Santa Maria, la Pinta et la Nina, soit ils auraient été subis sur eux. Ok. Ça dit c'est des mondes, c'est comme si prison criminelle avait c'est ça qui expliquait cruauté, monsieur les arrivés par bord ici. Prison dévidée, négro monté et trois cas avec eux. Donc c'est pas seulement des mondes qui gagnent des du risque, mais c'est des mondes qui pas voulu arrêter subis peigne en Espagne qui montait bateau. Christophe Colomb. Donc, ça me dit que les découvreurs découvrent eux-mêmes que ce qu'ils avaient découvert, il existait plusieurs millénaires avant leur existence. Avait déjà été découvert. Oui, exactement. Donc, c'est, on ne peut pas parler de... Parce que, en fait, Christophe Colomb avait européen, est arrivé là le 5. Parce que l'Université Laval m'a eu chance, les journaux de bord Christophe Colomb. Il est arrivé là le 5 décembre 1492. Les nègres arrivaient dans le fait noir, ils arrivaient pratiquement aux 11 h minuit. Les nègres disaient ah, ils ne mettent pas pieds à terre parce qu'ils ne sont pas des bêtes sauvages qui peuvent le dévorer. Ils mettent pieds à terre le 6 décembre 1492, ils étaient aux environs de 10 h du matin. Donc on ne peut pas parler de découverte. Alors, historiens parlent actuellement de. Moi, je parle de débarquement de Christophe Colomb et des Européens en Amérique, particulièrement en Haïti. Et on y a parlé de conquête de l'Amérique, mais Haïti n'a pas de couverture. Si pour les gens qui découvrir, il faut le découvrir. Et si malheureusement, parce que les gens prétendent porter là, ils me disent que les gens en créole là, c'est un thème génique pour dire tout le monde. Ils me disent que les gens m'ont parlé de l'espagnol, de Christophe Colomb et de tout l'équipage. Si les gens, malheureusement, tu trouves une couverture là, tu te découvres Haïti. Nous avons demandé heureusement de retourner découvrir parce que tu prétends porter là la civilisation et la christianisation. Finalement, ça a été la barbarie et la destruction. En 1492, nous avons en Haïti 4 millions de monde que nous avons dit. Peut-être que nous avons tourné sur la question des bassos, bataille sémantique. Ça. 65 ans plus tard, soit en 1517, nous avons gagné 13 personnes sur 4 millions. Donc, ouais, c'est un gros génocide qui fait là, la question soi-disant découverte. Pour faire une terre de couvrir. Oui, pratiquement. Donc, les Européens ont débarqué et sur l'île d'Haïti. Et puis, je me souviens de cette leçon d'histoire là, côté Négo dit c'est merveilleux. Oui, c'est oui. Merveilleux tellement que l'île était, oui, extraordinaire. Était belle. Et finalement, et Mounsa qui t'a vivre et en l'île là que aurait les Indiens ou bien pas qu'on aurait les indigènes et dépendamment de qui est-ce qu'a nommé eux donc ils ont gagné un mode de vie, une organisation sociale, une organisation politique tout et que européens pour aller estimer qui pas conforme avec vision du monde par eux
et on va essayer mettre moun sa yo dans des régimes de fonctionnement qui différent de ça ont été avant qui va causer leur disparition et pratiquement. Bon, il y a un bagage qui est extrêmement important mais d'ailleurs il y a ta page était dans ça n'a dit là c'est question bataille sémantique ici autour de nomination de premier peuple ça yo. Parce que les Amérindiens, indigènes, indiens, ou encore aborigènes, les peaux rouges, les sauvages, comment on relève finalement? Ah, mais, bon, alors, il faut dire clairement pour tout le monde qui suit nous que tout terme ça, c'est des termes qui sont marqués par le colonialisme et l'ethnocentrisme. Bon, et vous avez dit parce que vous citez, vous n'avez pas arrivé à Québec tout dans la tête, moi. Ouais, d'abord, vous dites indien. Indien. Nous connaissons que Christophe Colomb était pensé arriver aux Indes. Projet s'est trouvé en route et route épice Marco Polo pour arriver aux Indes. Donc les religieux indiens, même si Christophe Colomb ba Isabelle la catholique parce que c'est 8 ans de moi je me suis fait avant de recevoir un financement. Il ba Isabelle la catholique et Ferdinand 5 de Cassimanti la question route de vers l'Inde ça parce que Christophe Colomb marié avec, ça c'est Christ, professeur Christophe Philippe Chirac qui a pas prendre ça, dans Christophe Colomb l'Indien, il a suivi en Haïti. Il était marié avec petite fille, plus gros cartographe espagnol qui existait dans l'époque. Monsieur, il est marié avec petite fille, plus gros cartographe espagnol qui existait dans l'époque. Monsieur, héritier de toute une bibliothèque de cartes qui. Parmi les quatre, il y a des cartes rares et précieux, parmi lesquelles quatre définissaient à Carthaginois, qui m'a mis tout détail de description de la zone. Moi, il y a un détail que Mounio peut-être n'a pas prêté attention, mais qui est marquant et qui est révélateur de l'information. Les nègres, ils ont perdu dans la mer, ils ont dit Christophe Colomb, ils ont jeté dans la mer pour qu'il dévore. Parce que le perdu, parce que pas oublier à l'époque, ils pensaient que la terre plate et sous éloigné trois plans de mer ont tombé dans l'abîme. C'est vrai, ils ont goûté riz, ils ont sauvé pour prison, pour et condamnation. Ils ont monté bateau, mais ils ont certains moments, ils ont pensé au perdu, ils ont une situation que ils n'ont pas tourné. Christophe Colomb répond avec tout calme et bateau est en mutine. Vous comprenez ça veut dire mutine. Tout est en rébellion dans le bateau. Bal seulement trois jours, la baroute. Et les trois jours arrivés pour bébé, il y a ces oiseaux qui ont volé. Ça veut dire que tu es approche vrai. Ça veut dire que son nègre qui connaît parfaitement bien côté l'avenir. Donc, question indien, nous pas parler d'indien là, il n'y a pas camper soigner, parce que pour parler d'indien, on a besoin de deux conditions. On a besoin de conditions géographiques. L'Inde se trouve en Asie, capitale actuellement c'est Calcutta. Et puis, au besoin en conditions anthropologiques. C'est deux groupes de peuples qui mélangent, qui boivent indiens. Un peuple de blancs qui est les Aryens et un peuple de noirs qui est les Dravidiens. Donc, c'est indien. C'est, alors, pour parler d'indiens, au besoin, on mélange de Dravidiens et d'Aryens. Or, m'bakwe, d'après toute recherche qui fait déjà, j'aime bien mélange. De, ni de Dravidien qui c'est un peuple noir ni de rien là donc nous pas thème indien pas quand dit pas camper son ça fait parler de la race aryenne oui la race aryenne on l'autre thème où tu cité reprend pour moi c'est indigène ou bon indigène et indigénia c'est monde qui fait là bon tout monde qui l'en pays depuis le fait indigène on l'autre thème on prend c'est aborigène. C'est si on prend moi aborigène c'est aborigine ou aborigines qui veut dire ceux qui étaient à là à l'origine même pas j'aime considérer mon là yo comme qui là à l'origine c'est gain origine l'île là tu connais plusieurs vagues de migration oui plusieurs vagues de migration c'est gain monde qui était là à l'origine et bien c'est monde qui était en Afrique yo puisque l'Afrique c'est un double berceau c'est le berceau de l'humanité c'est le berceau de la civilisation premier groupe humain qui fait apparition sur la terre fait apparition yo en Afrique. Donc c'est là qu'on a parlé de aborigène. Mais terme aborigène là, on l'autre confusion sémantique. L'autre dit aborigène, yo surtout ouais australien. Bon l'autre terme aussi qui est pas campé soin du tout, l'aime de ça barata avant parce que moi avant c'est du même nous même non même les ethnologie, même café philo yo m'a pas attaqué parce que mémoire maîtrise moins et faculté d'ethnologie c'est sous
on va parler énoncé un petit peu grotesque, mais c'est sous tradition avec héritage amérindien conservé en Haïti que me fait. Moi fait dans abricot qui dans sud là, dans département du sud là, Jérémy. Les c'est en commune de Jérémy arrondissement Grand-Est. Alors, ces mots amérindien. Parce que pour qui raison pas qu'à parler d'indien. Et moi c'est des raisons évidentes que tout le monde connaît déjà. Mais n'est-ce malgré que tu aimes indien, impropre, tu voulais quand même gagner indien dans le bloc là. Donc, il y aura dit pour gagner les indiens de l'Amérique et les indiens de l'Asie. Donc, c'est pour montrer que gens l'Occident, l'Elvin ou un bagage, il pose un bagage. On comprend ça, monsieur, non? L'Elvin a un bagage, il veut imposer un bagage, il cherche des stratégies. Donc, on parlait de Amérindiens. L'autre thème encore qui prête à confusion, qui n'est pas campé sur un yé, c'est nous qui avons 3 ou 4 pour ne pas 3. Autochtones. Ouais, bon, autochtones, c'est Arous, Tos, Ton, pour nous qui fait grec. Donc, les propres de la terre, nous tous propres de la terre. Ce n'est pas des mots qui viennent. Sauvage. Et Pau Rouge. Christophe Colomb dit avec l'équipage de Kevin Layo, les arrivés là, ils venaient ensemble de monde qui ont pour cuivre, pour rouge. Mais, monde ça, alors, Piga Mounio, il y a un problème avec. Nous allons utiliser le terme indien au cours de l'émission, dans certains propos, mais ce n'est pas facilité de langage. Indien ça, qui est vivant en Haïti, je vais passer sur un produit végétal qui est le roucou. Tout le monde connaît le roucou, tout le monde fait jusqu'à manger. Jusqu'à présent. Il observe avec le roucou, il fait manger, il fait manger après rouge. Sous chan masala, il y en a pour le boucané. Il y en a pour le boucané, voilà. Le barbecue, le barbecue, d'ailleurs, le barbecue, même si on est amérindien. Donc, roucou, vrai nom et botanique, c'est le bija oriana. Ou bija oreala. D'accord. Pour ça, je vais passer sur le roucou. Roucou a deux effets, non? Premier effet, les kembi pois fraîches, l'on passe beaucoup sous pour fraîches. Et deuxièmement, les éloigner de où maïngouin. Donc, ouais, pas gué pour rouge là. En l'autre terme, encore, c'est sauvage. L'on prend mot sauvage là, nous apprenons sur mon étymologie parce que anthropologie en font revivement de bagaille. Mot sauvage là, c'est en latin, silva, silva et sylvaticus qui veut dire forêt. Il y a un bagaille que nous, même anthropologues, nous découvrons. La science panouan, et on connaît, c'est un canon de l'anthropologie. C'est un petit document bloua, et tout ça, l'anthropologie, pas ici. On aime faire quoi anthropologie, pas du tout la tête. Pas ici, ça. Pas oublier, pour proposer l'anthropologie de base, l'homme ne peut vivre sans culture. Tous les peuples possèdent une culture. Ça, c'est la deuxième proposition anthropologique de base. Comme pas qu'il y a un peuple sans culture, nous-mêmes, anthropologues, nous venons découvrir que. Finalement, il y a deux modes de vie. Il y a un peuple qui développe mode de vie dans la forêt. Laisse-moi parler de civilisation. Il parle écrit S-Y-L-V-I-L-I-S-A-T-I-O-N. Donc, comme pas qu'il y a un peuple sans culture, c'est par exemple Kazan Minou, qui malheureusement pas Haïti encore, Andji Waché. Andji Waché, peuple mis sur son peuple civilisé, qui fait partie de mon peuple qui est ennuyé radiamment, Mikmakao, qui vient en Haïti avant Christophe Colomb. Et puis, il y a un peuple qui a développé et vit en ville. Il y a parlé de civilisation. De latin, civa, civitatis, qui veut dire citoyen, cité, de cité. Donc, pas de sauvage là. D'ailleurs, Christophe Colomb, arrivé là, monsieur comptait 213 villages sur toute l'île. 213 villages. Il n'y a pas oublié village quand on a boîte, il y a le Niti, côté de Gotal, kidnappé là. Ça, c'était un kidnapping. Je crois que c'est le premier kidnapping dans l'histoire d'ailleurs. Premier kidnapping dans l'histoire, non. Donc, il comptait 213 villages. Surtout, il n'y a pas oublié pas de gagner à l'époque la République d'Haïti, la République dominicaine, tu gagnes l'île d'Haïti qui se crée à Boyo. Ça qui boit 213 sites archéologiques. Monsieur, joint des routes tracées à angle droit. Ils joignent des vestiges de systèmes d'irrigation. Ils ont drainé de l'eau pour mener dans le village. Donc, l'eau a gardé à l'être embryonnaire. Il y avait une technique. C'était une grosse civilisation qui était prête à développer là, qui était
comme pas de science histoire mais permettez-moi pour fantaisie dit ça pour fantaisie t'as pas peut-être même degré de civilisation que Maya que Aztèque et Inca. D'ailleurs Taïno c'est descendant de Indiens Tupi Guarani qui sont peuple Maya qui sont peuple Maya. Et vous parlez de peau rouge, vous parlez de sauvage. Et moi, bon, là, bon, ça a été daté depuis la plus haute antiquité. C'est au meilleur qu'on a les peuples, qui te connaît les peuples étrangers, oh, baba. Moi, baba, c'est un grec, c'est un monde qui est barbara, barbarita, là, etc. Moi, baba, c'est un grec barbaros qui veut dire étranger. Oui. Donc, c'est tout peuple étranger. Bon, je pense. Que si tu es étranger. Dès que tu arrives en Grèce, ou pas parler grec, ou sont barbares. Ou sont barbares, ou sont étrangers. Donc potentiellement, ils soumettent à l'esclavage. Oui, exactement. Mais ça qui est important, parce que Fonbaï coupé dans là, si tu es étranger, là, c'est les nègres qui sont bien loin et qui viennent massacrer les gens qui t'a vivent. Les barbares sont finalement, c'est Christophe Colomb et les Espagnols et les conquistadors. Mais un dernier thème, tout, c'est que vous passez dans la loi, même tu as aimé discuter, c'est le thème primitif là. Primitif, c'est la signification péjorative. Ordinairement, les gens nous employent, mais nous-mêmes nous rétablissons le thème. Primitif, c'est un latin primus, qui veut dire premier. Mais c'est le premier monde qui était là. Il était existé bien avant, dans cette nous, africains, et on pourrait cohabiter avec ces africains et à transmettre nous en héritage. Donc, finalement, je pensais. De premier peuple. Ouais, premier peuple qui était là. Yo. Donc, finalement, je pensais, très sincèrement, samedi janvier, nous devons les peuples saïo par nous. Nous avons là les Taïnos de la grande tribu des Arawaks. Il faut bien dire les Taïnos de la grande tribu des Arawaks parce que les Arawaks sont composés, sont une grosse tribu qui est composée de 21 ethnies qui est en de Alaska à Terre de Feu et qui ont occupé les grandes Antilles, car ils ont occupé les petites Antilles. Samedi, l'on prend Anji. Le peuple Anji en fait partie du peuple Arawak. Anji Washe, donc Arak Manji Washe, et Uriel Wawani, Awan, Kiso, tout. C'est une tribu parmi les Arawak. C'est le peuple, elle nous, irradiamment, Mikmak Arawak. C'est-à-dire, l'autre dit, et Arawak, ou bien 21 ethnies, et peuple Anji en la donne. Ensuite, ou bien les Caraïbes, ou Caraïbes, que Kaunabo, c'est pays illus, représentant. Ou bien après, les Sibonais, que dépendamment de côté de la région, il y aurait les Guanahatabé, Guanahatabès, Guanakaboubès, Zibouenès, Aounabéye, Atabéye, et finalement, on a gagné les Ignéries. Donc c'est comme ça pour les Léo, on a les peuples, les Noyo, parce que tout côté européen, mais puis on a changé nos peuples. Par exemple, Eskimo, pas j'aime les Eskimo. Eskimo, les Inuits, Eskimo veut dire mangeur. De chez Akou, c'est Inuit, les vrais hommes. Il y a un professeur Baïna Vélo, qui est professeur de la faculté d'ethnologie, à l'autre côté tout, qui a une promotion à faire dans le domaine de ça, qui lui-même proposait le terme POSA. Ça, peuple originaire, soi-disant d'Amérique, parce que y a d'origines diverses. Moi, je connais Baïna Vélo, excusez-moi, qui est logique identitaire, que les inscrits qui ont logique identitaire, Ablo, moi ou Alex, donc nous tout inscrits, mais nous d'accord avec le terme. Parce que, là, je fais ma bonne information clé, là, je fais terrain abricot. Même de gagner un délai pour me tourner, parce que faut me finir avec mémoire pour me soutenir. Moi, je dis, si j'ai besoin de bon indien, il y a un côté X pour m'aller. Et j'ai des crimes indiens, c'est des mouns noirs de Koutaï à pays Cabral. Donc, il y a des crimes des pygmées. Et nous connaissons depuis Yvonne Van Sertima. Yvonne Van Sertima, qui est un livre qui est ils y étaient avant Christophe Colomb. Tu as un contact entre indiens avec africains avant. On en parle aussi. Que... Qu'est-ce que tu dis? On en parle aussi, puisque avant Christophe Colomb, il a dit que tu es noir sur l'île. Oui, tu es noir sur l'île. Et peuple, que le groupe de monde, ça, ou l'arbre, comme pas, est investigué, c'est un descendant potentiel de contact entre Indiens avec Africains, ça, avant Christophe Colomb. Même l'Angien Fouchard, Langue et littérature des aborigènes d'Haïti, qui publie chez l'édition Henri Deschamps, Port-au-Prince Haïti en 1988, l'on a la page 14. Il y a eu le troisième voyage Christophe Colomb, le troisième voyage,
monsieur découvrit en 1497 un groupe d'Africains qui vivent dans le sud avec les Indiens en toute liberté. Donc, ouais, j'ai pas la compliqué. C'est pour ça que je suis d'accord avec Baïna Belo. Mais si vous permettez, moi, je vais retourner sur l'autre argument concernant le contact indien avec les Africains. Mais... Donc, au fait, ce que nous parlons contre le mouvement population, parce que Jean d'Abdia là, sous l'île d'Haïti, hein, plusieurs peuples étaient passés jusqu'à ce que nous-mêmes, venant d'Afrique, nous venions occuper l'île là définitivement. Maintenant, il y a des. Est-ce que vous une brève interrogation? Ça, vous nous dit que c'est européen, il y a un européen que nous parlons d'origine. Par contre, ce qu'on a jusqu'à présent, il y a un gros débat historique qui a fait sur l'origine Christophe Colomb, le soi-disant père de la découverte. Il n'y a pas si monsieur espagnol, il n'y a pas si monsieur portugais, il n'y a pas si monsieur italien, pas oublier que portugais. Monsieur, avant Christophe Colomb vienne là, monsieur c'était et capitaine de bateau négrier. Capitaine de bateau négrier. Seul témoignage que nous, plus ou moins, jouons, qui t'a retracé Christophe Colomb, soit histoire italienne qui est Augustino Giustinani, qui dit nous en latin Christophorus Columbus, patria genuensis, viribus parentibus. Christophe Colomb est né à Gênes de parents très pauvres. Donc c'est sous nous qui sorti qui vient là-haut que nous avons des informations qui claires. Alors, l'homme, il y a des perceptions et qui, de traces de survivance dans la perception, nous comme peuple. Et qui gagne référence à la période ça. D'ailleurs, on a parlé de indiens ou pas seul habitant de l'île, non, possiblement tu gagne des africains qui étaient à vivre avec eux tout. Mais on regarde journée aujourd'hui bon on bagaille mon remet dou dans langage populaire là, monsieur sont indiens. En réalité, vous avez besoin de dire que monsieur sont monde qui vague, monsieur sont monde qui est mafoubin, monsieur sont monde qui pas gagne problème Jean lié. Donc je dis moi même sont indien mié ouais donc ça veut dire pour dire que il est prêt pour l'adapter à la toute situation. Donc est-ce que nous sommes capables de prêter et perception ça qui survivent à travers le temps de indien yo à un bagage européen ethnocentrisme européen ou du moins est-ce que effectivement ça est lié à trait de caractère indien yo façon de vivre. Mon cher les gens mondiaux en Haïti, aussi en Indien, aussi en Africain, sont joument liés. Ce n'est pas un compliment, ce n'est pas une félicitation. Ça, c'est un héritage colonial. Africains. Ouais, son héritage colonial lié. Les graves du vague, par campé soigné, etc., très tôt d'Indiens. Même si ma faut remarquer que des peuples en Amérique latine qui ont utilisé mot indien pour jouer eux, ils ont fait une appropriation positive de thème, ils ont affirmé être comme indien. D'accord? Par exemple, le peuple indien, il nous a dit, je ne peux pas accepter les indiens. Parce que l'ordre indien, ça fait écho à massacre peuple. Le Jimmy Carter, mes pieds au Canada en 1515, il y a 9 millions, il nous a dit, je ne peux. Actuellement, il n'y a pas plus que 9. Le monde là. C'est de 9 millions à 9. Donc, ils ont réclamé non ancêtres, non tribus. Et nous, évidemment, mais il y a un peuple qui approprie le terme positivement. Même j'avais une question en créole là. Créole, c'est ton terme. L'indigénisme. Oui, oui. Créole, c'est son terme négatif. Lié. Mais de toute façon, on dit une femme, son belle femme créole, c'est un compliment lié. Ce n'est pas une discrimination. Donc, les mondes indiens. De manière et péjorative, c'est équivalent de relais mon africain. Pratiquement, je dis, ainsi par là, on préface à la rigueur, l'homme le plus distingué de ce pays aimerait mieux qu'on lui trouve quelques ressemblances avec un Eskimo, un Samoyède ou une Tungouze plutôt que de le rappeler son ascendance guinéenne ou soudanaise. On côté l'idzo, quant à celui d'Africain, il a toujours été la personne la plus humiliante qui puisse être adressé à un Africain, à un Haïtien. Ça, c'est pratiquement ce mot tabou qu'on a. Et préface ainsi par la longue, je ne connais pas que je connais ainsi par la longue, tant que la Bible. Si il y a certains gens, c'est la Bible, je ne connais pas que moi, c'est ainsi par la longue, je ne connais pas que. Donc, nous avons égalité. Alors, pour revenir à ça, on a dit, les gens ont besoin de jouer en Haïti, les gens ont indiens aussi, les gens ont africain. Par exemple, si les gens trouvent doux ou pacifique, les traités de Congo. Alors, Congo a
les Européens arrivés en Afrique, ils dit, ils décrit les Congolais, même si c'est une contradiction, comme les plus sages parmi les hommes. Le Congo qui dirige, c'était l'empire du Congo qui était gagné le Gabon, qui actuellement sont un pays de dirigé par des rois comme Congolowana, Ilunga Bili, Ilunga Shibeda, Shibida et Gombe. C'était un mec extrêmement sage. Même si on voit une contradiction chez l'Occidental. Les Zou et Congolais aussi, les plus sages et parmi les hommes, ils ont gagné des rois. En après, ils ont gagné des Zou dans le même texte, ils ont volé les rivières, ils ont enragé, ils ont volé de Lianan. Donc, on va prendre là très tôt de Congo. Mais c'est Congolais qui fait la guerre de l'indépendance. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que pendant 40 ans avant la guerre de l'indépendance d'Haïti, le bateau qui est venu, c'est Congolais seulement reporté. D'ailleurs, Jacques Auriol, à travers le bulletin Bureau national de technologie, écrit un article qui est les Congolais de la guerre de l'indépendance d'Haïti, quand il montrait la question ça. Question ça. Et tout est. Tout est bande de marrons qui parviennent sous les secrets de Vodou, c'est Congolais qui est composé. C'est Congolais qui est composé. Donc c'est Congolais qui fait gagner. Et soit un peu vivant. Bantou, nous-mêmes, à 40% de descendants de Bantou. Ou t'as besoin de bagaille. Soit un peu vivant. Et Yorelo, Aoussa. Aoussa. Mais Aoussa, ça ne connaît pas. Aoussa, son ni qui était islamisé, soit il est musulman lié. Aoussa fait partie de rang, même j'avais les Zoulous, mais on a ce thème Zoulou qui sont l'autre chapitre. Aoussa fait partie de groupe d'Africains qui est arrivé dans le fait ces domaines, qui n'a jamais accepté l'esclavage là. Qui toujours avait côté blanc, mettre un bagage de pointu, de finant, pour le voler, d'où le thème d'Aoussa. Qui thème Aoussa égale volant, créole pour la tuer blanc. Donc Aoussa sont rebelles liés. En Zoulou, je ne sais pas si. Monsieur son Zoulou lié. Zoulou yo fait partie et peut-être c'est le seul peuple en Afrique qui bataille européen depuis le commencement très là et même avant il y a bataille avec Arabio. Yo kembe européen en échec jusqu'au 19e siècle. Zoulou yo. On Zoulou c'est les européens couille des Zoulou. Zoulou entre dans rage, entre dans rage à des loups parce que tu vivant. On se souvient qu'il n'y a pas peut faire 3, 4, 5 jours en bataille avec un chalume au bon pour l'emboucher, la respirer pour le temps pour le tuyau. Les nègres sont en train d'enrager, dans la forêt à l'aise. Ils n'ont pas sorti. C'est deux blancs qui mettaient en tête. Les Allemands avec les boys qui brivaient battre Zoulou. Donc, on a des gardes. Ça, c'est le langage colonial. Les traités de Congo, les traités de Zoulou, les traités d'Aoussa. Bien qu'on l'autre terme encore, ils ont utilisé comme. Discriminatif en créole. En tout cas. Et Soussou. Soussou, mais Soussou, c'est deux parfaits d'excellents collaborateurs. Yoye. Donc, nous, malheureusement, nous n'avons peuple que nous pouvons faire éducation, l'école, parce que c'est pas comme pratiquement. Nous faisons blackout sur l'histoire africaine. Nous, par contre, origine, nous, par contre, valeurs ancêtres. Nous avons toujours commencé l'histoire des ancêtres nous, avec l'esclavage, mais nous. Avant l'esclavage, il y a de grands pays en Afrique. L'Empire du Mali, l'Empire du Monde et des Mossi, l'Empire des Songa ou des Sonrai, l'Empire de Ouattagou, Ayatenda. Donc le cosmo, l'Empire multicéphale de Janajam, qui est le premier empire qui réalise la question de mondialisation dans le monde. Qui a connu l'apogée avec la dynastie suprême des Djengou, avec des rois tels que Burungu, Kovungu, Movungu, Nouvungu. Mais il n'y a pas de bagaille ça, yo, frère. Yo par contre bagaille ça yo, c'est dommage. D'accord, nous va regarder et Kounia et l'homme et organisation et sociale la Kaitaïno yo qui était habité l'île, les premiers habitants si nous préférons les comme ça, les premiers habitants de l'île en fait, ceux qui nous ont précédés nous autres africains même si tout à l'heure nous t'ai quand même évoqué l'idée que tu as de monde noir, de peuple noir qui était cohabité avec indien sur l'île. Donc yo contrairement à ça européen yo même pas l'estimer, tu as une forme d'organisation sociale. Ah mais bien sûr. Chaque kaseka royaume te parce que pas oublier il a été divisé en 5 kaseka royaume. Tu es divisé en sous-kaseka avec des sous-kasiques. L'opon on est et Koku Kaonabo, te gen deux sous-kasek. Li te gen Mayoba Nex et Oumaksek. Zwa Nex te gen un sous-kasek qui te gen Guati Guana. Si na pran
une pyramide sociale à la caille Taïno. Comment lié? Dans cette pyramide là, où vient Taïno? Taïno qui c'est et porte-parole société a, qui c'est meneur, qui c'est guide là. Les Taïno, les et cacique, excusez-moi. C'est cacique là qui a la tête. Comme porte-parole, comme guide, comme meneur. Les cacique là prend décision. Avant que décision appliquée, il est obligé de soumettre devant un conseil de sages qui était les Nitaïno. Ouais, Montesquieu a une petite phrase qui dit en 1758 dans de l'esprit de, et des rois, il faut que le pouvoir ça te gagne bail, c'est bail. Nous gagnons bien avant Montesquieu qui prend en après par lancer dans de l'esprit des rois. Les cacicles prend décision avant décision appliquée, passer faut le soumettre devant un conseil de sages. Que les ni Taïno. Parce que Taïno, je vais te dire là, ni Taïno, c'est pas, ça ne veut dire pas n'importe quoi. Taïno veut dire individu noble, respectable, grand sage. C'est peut-être ça, c'est bon, un monde qui est Taïna, l'âme salue sous chaque là, dans le public là. Ils sont monde qui doit de, une personne qui doit de grand sagesse. Après Kassik, après ni Taïno, ou bien les prêtres ou butios. Que les ancobéiques, bouits, tibous, boutouits, tibous ou boutis, qui ont même capté question spiritualité. Après prêtre ou butiosio, ou bien les bovites. Bovitio, comme tu as dit ça, pour tout le monde comprendre, parce que nous avons fait une anthropologie là, nous avons fait une émission pour tout le monde comprendre, c'est ça que tu as les griots chez les Africains. Ce sont les gardiens des traditions orales. Après. Griots. Oui, griot. Les bovites, c'était les griots et chez les Taïno. Et puis, il y a un jargon que vous utilisez. Qui jouait office au fait d'avocat. Qui jouait office d'avocat. Oui, exactement. Exactement. Ou bien, il y a les Naborias, qui ont même c'est un groupe de la population qui est occupée de taille ménagère domestique et pour le reste de la population. Donc, ouais, c'est en société qui est stratifié et dans chaque niveau pyramide là on moun ou gagne un côté en graduation occupé ça c'est pour organisation sociale li. Mais nous pas de connaît parce qu'on est toute structure et sociale toute pyramide sociale li créer des tensions et li créer des conflits c'est ça qui s'est passé sur le plan économique c'est ça avec des nègres en cours Karl Marx avec Friedrich Engels, de l'origine de l'État de la propriété et privée, nous avons parlé le communisme primitif avec le philosophe allemand. La Taïno n'a pas la propriété. La propriété, c'est le vol. Tout le pour tout le monde. Et l'échange fait pas. Vous connaissez la question de l'argent, c'est pas européen. L'échange fait à partir de ça, nous les trois. C'est-à-dire, moi comme pêcheur, moi sous la mer, ma pêcher poisson, ou même comme agriculteur, ou gérer banane. Ou faire yam, ou faire banane. Comme moi, c'est sous la mer, je n'ai pas de temps planté, moi bois poisson. Ou bon miam, tout bagaille basé sur le troc. Tout bagaille basé sur le troc. Donc, son stratification qui n'a pas créé conflit social. Et le troc, c'est une forme de marché quand même. C'est une forme de marché, mais on fait. C'est bon, un marché qui est basé sur l'accumulation de profit. Sur l'accumulation, le profit, et qui est basé surtout sur ça que nous appelons l'échange. Donc, même si société A est stratifiée, strat par signification de conflit social, le social là, il faut regarder sa capacité dans l'économique là. Pour qu'avec clair. Et sur le plan politique, comment vous désignez? Eh bien, sur le plan politique, et nous sommes une société qui est égalitaire. Nous sommes égalitaires dans la mesure que pas de sexisme, la caille Taïno. Nous sommes obligés de dire Taïno parce que faut rappeler Mounio que Taïno, c'est qui était majoritaire, qui était occupé Ilio, Caraïbes, Siboné, Caraïbes, qui était minoritaire. Et Siboné, même, qui était vivant dans une grande caverne, il y a eu son peuple. Que Taïno te recevoir là. Donc, on a parlé d'organisation sociale, politique, économique, on a parlé de Taïno, de ces groupes qui sont majoritaires. L'angle qui est le Marco, c'était l'angle national et zone là. Pas zone là, de île là. Excusez-moi. Donc, sur le plan politique, comme vous posez une question sur le plan politique,
Le pouvoir se transmet, excusez-moi, de père en fils, de père en fille. Donc son pouvoir héréditaire. Oui, héréditaire. De mère en fils. Ah oui, il y avait aussi le matriarcat. Nous sommes une société égalitaire. Donc, nous patriarcat, un matriarcat. Nous sommes une société égalitaire. Et ça peut même se transmettre de frère à sœur. Ma bon exemple très clair. Là, prend Boekyo. Boekyo, tu as 30 madame que M. Pagé m'est arrivé enceinte. Boekyo. Boekyo qui était classique dans Zaragoa. Je me rappelle que Zaragoa. Du coup, c'était des sociétés polygames. Oui, hein? Oui, qui commençaient. Société polygame et société comme des cas ça très, très libéral tout. Parce que on fait qui vertueuse la caille et Taïno, il y a tout le coin. Le coin n'est pas un mythe, Taïno. Hein? C'est pas un mythe, le coin. Donc, oui, et classique à Zaragoa, commencé Léogane. Il y a des gens qui ne sont pas géographiquement, ouais, ça, comment on va il commence les organes, il finit. Le point de vue, il pratiquement fini à Abricot. Donc, les boys qui ont. Alors, on dit que l'anthropologue, c'est comme ça, on va aller au Dimou à Jean-Lié. Ah, non, non, donc, non. Donc, si jamais. Il y a un capteur d'émission, moi, on t'a dérangé. Sans filtre. Alors, boys qui ont essayé grosse, n'importe 30 femmes, il n'a pas réussi. Mais la médecine moderne permet de comprendre le problème là, que la question était très simple. Monsieur, tu as un problème de fertilité. De fertilité. Donc, monsieur, tu es supposé, forcément au-dessus de 300 millions de spermatozoïdes, parce qu'on a besoin de 500 millions pour enceinte. Donc, les boys qui ont mouru, c'est seul, Anna Kauna qui a eu le pouvoir. Parce que, monsieur, c'était plus proche de famille qui était là. Donc, ouais, que pas de problème. Et après que. Ce que les Européens n'ont pas pu faire avec, à la fin de la guerre de 100 ans. Ah non, mais. Éléonore d'Aquitaine, pas de Kavin dirigé. Oui, mais on voit que c'est Richard II ou Richard III, m'a songé très bien. Oui, mais. Qui prend les. Ou pas arrivé à guerre. Qui prend à la fois l'Angleterre et la France, non même. Oui, ou pas arrivé à guerre, mais après, il y a la rejette en France. Mais, jusqu'à présent, nous. Soyez occidentaux, la fin, téléphone, qui sont mouvement féministe. Mais si on se qui profondément sexiste. Même tout voit dire ça très, très souvent à travers comme moi, à travers émission, émission importante, on fait pour former mon nouveau invité là. N'a pas un peu de temps dans l'histoire de l'Église catholique avant nous réciter un papesse. Son seul papesse dans le terrain, c'est le Christgar et Borgia, il était déguisé en garçon parce qu'on ne voulait pas accepter. Et n'a pas pile temps dans l'histoire de l'Église catholique avant de réciter mon pape noir. C'est ça, les cabinets chez Bilanglois en 2013 ou en 2015, tu as dit que vous, on a vu que les deux gardiens, que vous doivent pas et pas sauver Haïti, ils sont pleins sociaux. Je te réponds sur YouTube dans la vidéo, ou après la réponse de la faculté d'ethnologie au cabinet chez Bilanglois. Je réponds et chez Bilanglois. Je dis peut-être une. Parce que l'arrivée cardinal, quand il est pour cardinal, il y a un pape. Monsieur Guerre fait déclaration pour le faire mon plaisir, mais. Non, non, surtout pour le montrer mon que si jamais ça attaque un empêchement pour le pape, il marque les distances. Mais on est. Mais c'est oublié ça. Il y a pas plus de temps avant. Nous gagnons dans l'histoire de l'Église catholique. Mais ça avance de toute façon. Jusque-là, les papes étaient européens, mais nous commençons à gagner un pape sud-américain. Il a venu vers nous. Après un peu de temps, Samy, pose-toi net, pose-toi plat, avant de réussir, un pape noir. Mais ça me permet surtout de dire que ça fait de la pédérie dans l'ironique, un pape haïtien. Ça t'a intéressant quand même pour un pape haïtien. Donc, il y avait aussi une organisation religieuse chez les Taïnos. Ah oui, oui, oui. Alors, quand on est là, on a fait faux public là. À suivre avec un peu d'attention. Là, on a affaire avec des journalistes qui sont aussi compétents qu'on bah, est difficile de poser des questions. questions pointues. Ils apprennent nous à travers cette histoire à l'école, parce qu'on pourrait que Pierre Tchai enseigne que seulement en primaire, et puis basta. Il va me tourner sous le lit, ou quand on est sous le lit dans l'université, etc. Et peut-être seulement faculté d'ethnologie avec IERA, comme IERA, un département d'histoire de l'art et d'archéologie, que l'Indien, qu'on a adoré en Haïti, des divinités que les MS, ils étaient qu'on adorait avant de vivre sur les MS, la lune, le soleil et les étoiles. Oui, première remarque, si ils étaient qu'on adorait la lune, le soleil et les étoiles, Égypte, c'est pas différent. C'est l'animisme. Animisme, c'est Edward Taylor. Il était là pour ne comprendre rien. La spiritualité, peuple,
Il t'a décrit que pas même visiter hein, Taylor, il doit venir Taylor. On va oublier ces trois pères fondateurs de l'anthropologie, Lewis Henry Morgan, Edward Bennett Taylor, c'est James George Frazier. Tout n'est aussi anthropologue de cabinet. Il n'y a pas mes pieds au souterrain. Terrain pour commencer à partir de comment on là. Malinowski m'a même quoi fait terrain même. Ce n'est pas Malinowski, boit sous Malinowski pas fait terrain. Bref, ça m'échappe parce que moi, l'autre logique. Et ça me. Quand même de organisation religieuse et oui, Zemi, alors m'a dit si Indien était qu'on adorait et m'a parlé à public là, la lune, le soleil et les étoiles, font t'a dit même bagaille là, ni pour égyptien, ni pour grec, ni pour scandinave, ni pour viking, ni pour perse et j'en passe. J'en passe du mépris en français. Et j'en passe. Zemi, que les chémis, Zemi, c'était des divinités tutélaires, la caïté nous. Comment est-ce qu'on explique ça? Et quand on a vaudou, pas nous la caïté nous, la couille, l'on moun mouri, on fomme nous mouri, nous entrer dans la couille. Et puis, on connaît, comme l'on vaudou, à moun pas mouri, moun traversé, parents, sa grand-parents, sa toujours qu'il y a contact à voir à travers le rêve, un bon message. C'est ça, Zemi, oui. Mais comme on était conservé et reste mon yo dans des poteries que les émes que vous faites en terre cuite là au moment de ça yo disait mais et au terre que soi-disant indien ça yo entre guillemets me dit mon yo encore c'est pour facilité de langage tout gain attitude de révérence de vénération de respect envers poterie ça aurait les yo dit que divinité aurait les émes et que aurait apporté la lune le soleil les étoiles. Mais là, nous-mêmes, nous bien fouillés, nous avons tout le monde en référence. C'est, excusez-moi, le baron Emino, qui a écrit un livre qui est l'histoire des classiques d'Haïti, tome 1, tome 2, publié chez l'édition Panorama pour Prince Haïti en 1963, qui a dit nous, nos divinités, la Kaita Inoyo, première divinité a relé Atabera ou Mamouna. Si la cosmogonie chrétienne, Dieu c'est un homme, parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas de Dieu la mère, même si on a dit Dieu la mère, il faut dire Déesse la mère. Bon, bref, nous comprenons logiquement, la Kaita Inoyo, divinité suprême dans son femme. Lélé Atabera ou Mamouna. Même Jean, dans la cosmogonie vaudois, l'elfine fait de la création, séparée de la création. Après ça, deuxième divinité, qui est pratiquement Jésus la Kaita Inoyo, Lélé Jovana. Qu'il est encore Jovovava, Johanna Boina ou Johanna Boina, ou encore You au Baba. Ça, c'est deuxième divinité. Après ça, on va gagner Guabom Set, qui c'est la divinité de l'océan et des tempêtes, comme j'ai tout bagage qui a rapport à l'eau. Lorsqu'on est dans Guabom Set, on va saisir la divinité des étoiles comme Guabao, que un pile monde, on peut boucher un peu sec, excusez-moi, pas qu'on est, mais c'est dans le livre Jean-Bertrand Aristide. Moi découvrir m'apprendre ça Jean-Bertrand Aristide qu'on lit que les Bayako. Oui, Bayako. Oui, on va entendre parler. Bayako, c'est la divinité des étoiles chez les Taïno. Bayako. Bayako. Moun ka faire opération de vidange ça yo. Ça nous relé nettoyer la trigno. Ka nettoyer la trigno. Bayako, c'est dernière étoile qui disparaît dans le ciel nous avant soleil levé. Nous même Port-au-Prince nous Kawel en novembre et en décembre. Ou après que l'on levé ou est bon étoile qui scintillant. Donc un satellite artificiel. C'est pas un satellite artificiel. C'est Bayakou. C'est lui-même que et Mésopotamie ont été identifiés avec qui divinité. Ou moi, c'est fait me fatiguer ça. Et qui chape. Bon, si on étudie la mythologie, là, t'as beaucoup moins facile. D'ailleurs, à peine se composer semaine dernière, j'étais quand même en vie moi-même. Donc, donc, mon cas fait opération de vie dans ça, yo. Depuis ouais étoile ça, yo connaît soleil pour lever. Et comme yo pas les moon, ouais yo l'opération beauté pour ajouter caca. Donc yo tout rampé ça. Ça dit la tradition paysanne nous gagne un élément clé dans l'héritage amérindien. Et puis t'es gagne yo oh yo. Divinité des étoiles et nous, nous, divinité de la lune, avec le premier des hommes qui était le Louko. Donc, en résumé, en fait, nous sommes en affaire en Haïti
moi regarde mon tour pas connait combien minutes était pour le dire non c'est bon nous on a fait en Haïti Haïti qui se crée à Boyo à une religion nationale et polythéiste qui était aussi complexe que religion nationale polythéiste souvent la Kaimaya Inca Aztèque. Donc divinité ça yo c'est des divinités qui assimilables en mythologie Maya à Umnaku, Ixama, Ixchel, Yumkas, Umkat, Cha, Apuche et Kukulkon. Ou sinon dans la mythologie Aztèque là Awizi, le Pochi, au météor Wewe, Teot, Sinteot, Tlaloc, Tenoch, Cha, Chutiku, Zoshi, Kozal, Tonatio, Chikome, Koal. Zipe tout est ton adien, non anouadien, Tetskali pour Kamoutra et Mitran Tekutli. Donc c'est même ça c'est la langue de Thaï, ça c'est non divinité qui existait dans la mythologie et peuple amérindien et peuple saoulio en nouvelle fois amérindien mais les Mayas et les Aztèques ça oublier les Incas. Gagne Carole de Lynch et qui c'est en vaudouisante que on connaît très bien et qui même je connais très bien de par les textes hein. Ah oui, qui travaille dans TNH qui écrit un livre sur vaudou. On t'a gagne occasion gagne dans micro en froid. Et qui t'a appris moins que la zombification telle que n'a parlé le jeudi à Navodoua, ce n'est pas une connaissance spécifiquement africaine. Ah, bon. Et ah, que d'accord. Ces Indiens, eux, par leur extrême maîtrise des poisons, parce que les Indiens, tout autant de l'autre paisible, ils ont dit, ils ont été organisés des poisons. Et jusqu'à présent, d'après lui, il y a plus de poisons que n'a utilisé que yo affilié à Vodou Akounia, c'était peut-être un héritage et que Taïno yo, peuple qui était habité l'île là avant nous, était passé africain yo avant que yo était passé complètement à extermination, notamment et la zombification. Peut-être deux ou trois bagailles. Premièrement, moi grand pile respect pour Carole de Lynch que me les livre et que m'utiliser les livre à travers l'émission m'a fait surtout bloquer un petit peu qui campe un petit moment là, je vais reprendre très bientôt mythologie haïtienne côté me présenter loi vaudou haïtien et m'inviter mon à l'abonner. Mon yo t'es pointe patience, m'a bien présenter tout 401 royaux mais inviter à abonner sur YouTube. Mon connait Carole de Lynch bien. Alors, m'a pas là, l'autre a fait émission avec elle, m'a pas voulu déformer propos mais t'es m'essayer dit deux trois bagages sur après ça. Premier bagage là, faut qu'on ait l'ordre en matière de culture haïtienne matrice culture nous à part héritage colonial européen, espagnol ou français empoisonné, une matrice culturelle nous composée vraiment le noyau de héritage et ça n'était carré amérindien et d'héritage africain. Connaissance poison yo, connaissance et plante yo, connaissance grotte yo, connaissance île, connaissance territoire, l'amérindien prend ça, ça clair. Pas rien discuter sur ça. Pas de discussion, pas de débat qu'a fait. Mais, il y a l'autre connaissance, connaissance ésotérique, connaissance mystique, qui est d'origine africaine. On pas oublier dans la thématique de recherche, moi, après patrimoine amérindien en Haïti, valeur patrimoniale, site géologique Haïti, nous travaillons sur la question droit et zombification. D'ailleurs, mémoire, droit, faculté de droit, c'est droit de l'homme et zombification en Haïti. Mémoire, licence de droit, faculté de droit des sciences économiques de Port-au-Prince, elle m'a parlé de zombification samedi. Alors, samedi, c'est pas à bas, on samedi, non? Samedi, sous chapitre qui a parlé de questions de zombification, la revue de littérature que je fais dans mémoire maîtrise mais sous question indienne, je n'ai aucune référence à travers le texte que je consultais qui dit que zombification sont héritage indien. Zombification son héritage africain lié. D'ailleurs, et le mot zombie, depuis docteur J. c'est point d'Orsainville, Jean-Christophe d'Orsainville, vaudou et magie, vaudou nebou, c'est comme tu as vérifié mémoire, il dit que le mot zombie d'origine congolaise veut dire esprit revenant. L'homme cherchait forme apparentée zombification ou joigné en Afrique. Par exemple, aujourd'hui au Bénin, moi, je me croise avec Jérôme Sénatis, dit Zokiki. Zokiki qui est démenant en question. Mais moi, je me dis Zokiki, si je me croise avec, je ne vais pas quitter le Bénin. Parce que je me déjà connais pour une revue de littérature que ça a cherché à ne pas venir en Afrique. Mais elle est arrivée, elle est prête à Ouida, dit monsieur, en ce sens, l'élève a dépassé le maître. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin,
Mais au Bénin, zombification, c'est un exercice de purification et d'exorcisme lié, mais il n'est pas faut à tout inviter pour parler de zombification la prochaine fois parce que moi j'ai entré dans zombification en pile, il n'est pas forme de condamnation suprême qui existe dans vos droits. Donc finalement ça me conclut parce que nous pas faire un débat là sur zombification pour ça été invité dans l'émission et puis me pas attendre ma question ça à tout, mais c'est pas grave, me répondre quand même. Son héritage dans cette Afrique nous lié, zombification. Sous héritage, dans cette Afrique nous, il y a une grève de héritage amérindien qui fait sous connaissance plantio et sous connaissance poison. Yo. Mais zombification, je n'ai pas regardé dans Haïtien, il est typiquement haïtien dans la forme, mais dans les origines africaines. D'accord. Mais au fait, on retient qu'effectivement les Indiens, ils avaient une parfaite maîtrise des plantes et du poison. Oh, mais c'est clair, pas oublier. Nous, culture nous, c'est pratiquement trois patrimoines qui pourraient composer. Ou bien, patrimoine américain, patrimoine européen avec patrimoine africain. Mais depuis la colonisation et l'esclavage, les ancêtres nous ont dit avec africains contrés. Mais rappelons que l'esclavage a commencé avec Indien Paboïsite. Et puis sous Nicolas Auvent d'arriver là, novembre 1502, si j'ai bonne mémoire, depuis 1503, monsieur remplaçait Indien par Africain. Parce que Indien a un grand nombre de travaux forcés. Ça, c'est pour l'esclavage à Indien Africain, travail l'habitation. Ensuite, il y a Marron. Mais c'est à les ancêtres, nous, qui dit les ancêtres, nous, Indien, mais c'était sous ça, qui apprennent les ancêtres africains. Que labyrinthe avec Gouto. Comment par exemple, on traîne Gouto pour penser aussi Jérémie. OK. Et même pendant la période, 450 ans, pour me prendre peut-être un dernier exemple, un dernier argument, c'est pendant 14 ans, Indiens avec Africains cohabiter dans les monts et les montagnes du Baoruko. C'est comme ça que partage avec transmission, en fait. Par exemple, en dans vos doigts, l'on prend façon que nous faisons. Potomitan, il nous fait périsser avec Potomitan comme centre. On a quand même dit, l'on prend VVA, mais VVA, ou pas, bah, il y a un peu de côté, c'était aussi avec Madame Bouda. Enfin, bon, clair, il n'y a pas, ouais, Afrique qui a tracé VVA. En Afrique, VVA, c'est écriture indienne, l'on prend Govi. Govi, on a vos doigts que y aurait l'on loi. Extrêmement puissant parce que la vibration tellement forte, pas qu'à descendre dans le monde. Donc, Joe Bodo Bosso, Bosso, toi, Kon. Govia, c'est un canari rituel, mais c'est un canari indien. Donc, il est clair que il y a un héritage indien dans la culture haïtienne qui est marié, qui est mélangé avec le patrimoine africain, nous, qui c'est finalement le patrimoine dominant, bien sûr. Okay, d'accord. Donc, vous dites pas qu'il y a aucune société qui existait sans culture, toute société qui a une culture par eux. Et l'une des manifestations les plus évidentes d'une culture, c'est son art. Et il y avait aussi un art, on va dire un art primitif, peut-être, si vous voulez, chez les Indiens et chez les Taïnos. Ah oui, nous, alors, recherche archéologique qui fait par plusieurs savants, comme Michel Aubourg, comme Jacob May, comme Kurt Fischer, comme Negé Nembéala, Negé Musée Guaba. Nous avons des musées qui ont été fermés. William Rogers, que nous avons eu le bois. Docteur Rogers. Docteur Rogers, nous avons eu le bois. Mais Rogers, parce que le médecin était un doctorat en archéologie. Nous avons eu le pour médecin. Et qui fait par Evin House, qui fait par William et H.P. Krieger. Montrez-nous que la carité de nous, qui a eu un arc qualifié de principalement pour moi, c'est l'Occident qui a utilisé, nous trouver et peut-être la péjoratif. Même si nous avons fait appropriation anthropologique qui met thème dans l'autre valeur, nous avons un art extraordinaire chez les Taïnos et nous retrouvons tracé. Les Taïnos ont été tracés coton, ils ont fait pain, d'ailleurs, si pain, ils ont été mis comme cache-sexe et ils ont été tissés à Mac. À Mac, moi, je vais un petit peu disparaître.
en Haïti à ma classe si carbone nous fait ou comme c'est à partir de avec trois ou marine en deux bout bon c'est quelqu'un qui a projet par contre ça toi actuellement et comprendre donc tu connais c'est à mettre entre deux pieds bois pour prendre bon ouais, vent pour prendre bon vent ah comme dit vraiment pile la marque m'a pas menti zo bagaille l'autre bail tu connais fait il fait poterie avec statue la terre cuite et nous joignons que tu connais utiliser plusieurs instruments puis au fait travail yo utiliser ciseaux yo utiliser hache et avec ciseaux avec hache ça yo c'est yo tu connais fait pirogue que les bois fouillés. Donc, et nous jouons là en temps pour trio, même si grand pile en vase et qui brisait, mais nous découvrons la caillou, des vases avec des motifs décoratifs, soit de figures anthropomorphes, c'est-à-dire humaines, soit, bon, je dis tout simplement, de des figures anthropomorphiques ou des figures zoomorphiques, c'est-à-dire et à représentation animale. Et sous ça que nous avons les pétroglyphes, qui sont des roches gravées, telles que la roche à l'île de Limbé, la roche de pas trop loin de Cacavajal, la roche de Sainte-Suzanne, nous voyons des motifs décoratifs, des dessins qui sont très assimilables en forme d'écriture, que malheureusement nous n'arrivons pas arriver à décoder et qui a disparu parce que nous avons de plus en plus de gros a fait graffiti sur l'écriture. La Fondation de Wafombo fait un mouille sous dessin ça. D'ailleurs, depuis Jean Foucher, dans la langue et la littérature des Aborigènes d'Haïti, monsieur te dit nous, fais attention, nous pas qu'à dire qu'on dit qu'on parle en forme d'écriture parce que motif décoratif ça, dit nous, que cela, nous en présence en forme d'écriture que paléographiquement nous pouvons interpréter. Alors que nous avons une période, je dis à nous 6 décembre, il y a 5 décembre, c'est important pour nous tourner sur la date ça, sur ensemble de informations et connaissances énormes que nous avons là à la population. Pour qui ça? Premièrement, pour que l'État comprenne que il faut qu'il travaille, particulièrement le secteur culturel là, que moi j'ai tendance à traiter en parent pauvre. Que l'Igon a un rôle important pour jouer dans la construction nationale, dans la construction de l'identité nationale. Nous avons une sortie. Si nous avons une sortie, nous avons une sortie. Si nous avons une sortie, il est facile qu'un dirigeant arrive là demain, nos réunions aux États-Unis ou bien nos ambassades, il passe l'ordre, il passe ceci, alors que l'Igon ne comprend pas que, de par histoire nous, et que Haïtiens, les gens, ils campent dans le monde là. Mais, Rémen retourner et sous genre de sujet ça. Premièrement pour raison ça pour que l'État comprenne la nécessité c'est de faire musée. Oui, pour faire musée ethnologique pour mettre un musée de l'homme pour mettre par exemple les Taïnos, l'histoire et des Indiens en valeur. En même temps tout et faut que nous comprennent et ça vivre là kounya là, gè des mots à utiliser d'ailleurs supposé nous sont apprendre pile bagarre là. Qui est originaux, qui est sorti, qui est important, mais surtout pour nous comprendre en grain de bagaille. Et c'est ça pour moi qui est fondamental dans l'émission. C'est qu'avant le débarquement des Européens, il y avait un peuple paisible, qui était une organisation sociale, une organisation politique, qui était une culture, qui a fabriqué des arts, qui était une forme d'organisation économique, qui vivait très bien. Et que quand les Européens ont débarqué, ils ont débarqué avec la violence. Et c'est pour ça qu'il faut le dire. Nous avons appris la violence des Européens. Ah oui! Ils ont débarqué avec la violence, ils ont débarqué avec les questions d'avidité, l'exploitation à outrance. Hein? Ils ont débarqué avec un ensemble de mœurs et de défauts que ont inculqué et Mounio, déjà indiens ou bien premiers habitants, ou pas de cas supporter de tels traitements ni. Épouser un rythme de vie aussi pénible que les Européens ont été assujettis avec lui. Et malchance pour eux, ils vont chercher noirs en Afrique, qui nous-mêmes, non seulement nous avons une capacité pour nous résister, mais nous avons une capacité pour nous chasser. Il faut que nous comprenions, il faut rester, même aujourd'hui encore, dans cette logique. Il faut comprendre que l'Européen a toujours été pour nous un prédateur. Donc, absolument. Absolument. Même si, et je ne dis pas, il y a la science qui sont universellement partagées,
européen probablement que doit on sorte de monopole la donne, mais nous doit même des traits de caractère européen que nous hérité avec le temps. Mais en fait, il faut comprendre que côté une sortie, il faut revenir à la source pour comprendre que les blancs ont toujours été pour nous des prédateurs et que je dis, une raison qui fait par exemple où le traitement Haïti a subi et en bas main et américain notamment et que la République dominicaine pas subi, c'est parce que nous sommes victimes de ce qu'on appelle racisme systémique. Et ça faut nous retourner dans période des États pour nous comprendre. Est-ce que moi vim dire on va faire des commentaires comme ça, mais donc il faut me situer et importance et mission et pour qui ça nous a choisi aujourd'hui retourner sur ce sujet ça qui est fondamental pour que moun yo comprenne, parce que là n'a font média utile, n'a font on média pédagogie de masse, on média à contenu. Donc contrairement avec l'autre espace côté grand pile bruit qu'a fait dès que moun pas apprendre rien, mais nous même nous voulons retourner sur des sujets tranquillement, calmement, et puis nous mettez bête sous moun yo pour faire comprendre et bah ensemble d'informations, des connaissances que vous pas gagner, pas pour bah seulement, mais pour capable comprendre l'histoire, pour comprendre la vie, pour camper en façon dans la vie. Ouais, c'est précisément ainsi par la langue qui dit, nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne répétions aucune part de l'héritage ancestral. Mm-hmm. Donc, seule façon pour nous-mêmes, il ne faut pas jeter un lien dans ça, dans cette inquiétude pour nous-mêmes, c'est précisément que je critique dans la mémoire maîtrise, parce qu'elle a parlé de l'héritage ancestral. Nous, on dit nous 8e soutien en Afrique, 2e, c'est l'Open et l'Ouest indien, les assimiler et veille à des écritures kabbalistiques, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, ça dit l'extrêmement important dans la mesure que, ou même on vient en évangile, l'aime dire évangile, c'est dans le sens étymologie du terme, pas bélique du terme, eu à Julion, la bonne nouvelle, c'est l'évangile du retour à la source. Et ce n'est pas n'importe quel retour à la source, c'est la source des sources. Et sous des sous mandé pour nous conquérir dans cette nouille, pour nous remonter le plus loin que possible dans l'histoire, nous, pour nous écouter racine nous planter. Parce que ça, c'est une vérité anthropologique, je pense, qui est finalement incontestable. Si nous ne savons pas qui nous sommes, d'où nous venons, nous ne pourrions pas à coup sur savoir où nous devons aller, ainsi conduire la nation vers sa destinée. Qui c'est une phrase du regretté mémoire, du savant de regretté mémoire, le fameux à jamais inoubliable, docteur Daniel Mathurin. Merci, et l'homme, Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Mon cher, c'est moi qui pour vous. Merci parce que vous sautez là, dans une sorte de léthargie. J'ai un peu de temps. J'aime d'abord en confiance. Est-ce que je ne peux pas faire apparition dans les médias? Les gens ont la télévision tout le temps, ils pensent faire quoi? Ils ont pensé à l'université, mais qui quoi faire? Même fondation, c'est bénévolat. En fait, donc, au nom de. Il y a un kidnapper, on m'a dit pardon, non? Ah bon, ils ont dit, ok, moi, si vous voulez, ça va le faire avec. C'est toujours. Ouais, bon, on va dire ça. Il n'y a pas de mesure, non? Non, mais c'est bon, c'est frère, c'est cousin, yo, m'a formé. Bon. Je ne sais pas quoi ça a privé. Oui, mais il n'y a pas de même égalant pour le professeur Patrice de Renoncourt, par exemple. Malheureusement, bon, nous avons des circonstances que nous pas mal. Mais là, ça fait une crise de dépression. Nous faisons une crise de dépression. C'est l'homme qui vient à la médecine, je connais ça, je ne suis pas à dormir, je ne suis pas à manger, je suis maigri. Et puis, il me décrit symptômes. Et puis, docteur et médecin me dit que c'est une crise de dépression. Mais ça me dit qu'il faut nous retourner à la source des sources. C'est important pour nous comprendre. Il faut faire éducation, il faut faire formation. Donc, je ne crois pas croire que c'est vous qui devez remercier en réalité. C'est moi qui dois remercier pour l'invitation, pour la possibilité ou bon, pour me faire gagner avec le public. Et il faut me remercier tout parce que nous vraiment la philosophie Fondation Dr. Daniel Mathurin. Comme directeur exécutif Fondation Dr. Daniel Mathurin, je vous remercie. Et je vous remercie au nom de l'Université A, comme c'est professeur là-dedans. D'accord. Merci d'être passé. Et Emmanuel Stéphane Laurent dit l'homme. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de l'invité du midi. C'est un débat extrêmement riche avec beaucoup de connaissances et d'informations sur les premiers habitants de l'île. Je dis à nous en crise, nous avons continué de appeler Amérindiens, Indiens, Aborigènes ou Peau-Rouge, Sauvages. De toute façon, où tu es là, où tu es branché et où tu es tendu.
Nous vous remercions pour ça. Et puis nous baillons rendez-vous pour l'autre fois. Au revoir. Bye bye. Yes. Yes.